Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette belle académie. La DSI, c'est quoi? L'action de cette direction s'inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie nationale qui vise à ancrer le numérique comme un élément de politique éducative pour une banalisation de l'usage à l'ensemble de tous les acteurs de la communauté éducative. Vous, bien évidemment, mais aussi les parents, mais aussi nos partenaires. Trois grandes mission pour cette direction. La première, la sécurisation du système d'information. Notre rôle, bien évidemment, est de vous accompagner au quotidien dans la sécurisation de votre environnement de travail face à un contexte de cybermalveillance en constante évolution. L'objet et le but est bien évidemment de vous protéger, de vous sensibiliser et de vous rappeler sans cesse les règles qui vont faire en sorte que chacun de vous se protège, mais chacun de vous aussi protégera l'institution par le respect des bonnes pratiques. Le numérique, c'est aussi un élément de transformation défini au sein d'une politique académique du numérique et adossé au projet académique. Les actions pour le numérique deviennent un facilitant pour la transformation organisationnelle du fonctionnement des services déconcentrés, mais aussi des pratiques pédagogiques au service des apprentissages. Pour le dire autrement, le client au cœur de nos préoccupations, ça veut dire que les services de la DSI vont déployer des outils garantissant un niveau de service en adéquation avec nos besoins, conservation de l'outil d'un environnement à vie. Pour l'ensemble de cette mission, la direction va s'appuyer sur deux divisions et un service. Division des services académiques, forte de ses 67 agents, elle va répondre à l'ensemble des commandes de déploiement du système d'information. Alors ce système d'information, il est vaste, il est composé de centaines d'applications, il est composé d'éléments aussi divers que variés, d'équipements individuels. Votre ordinateur fait partie du système d'information, il s'intègre dans un ensemble, votre téléphone mobile. Alors la division des missions nationales, on va travailler avec les mêmes outils partout sur le territoire national. Donc nous avons 130 personnes qui répondent aux commandes de notre ministère sur différents projets tels que la scolarisation au premier degré, les guichets d'authentification, élèves, enseignants, agents administratifs, parents, l'expertise technique sur la gestion des tests de performance, sur l'exploitation de certaines briques, et sur la formation des personnels enseignants et administratifs. Et puis nous avons un service sécurité numérique et protection des données, puisque nous avons 8 personnes qui vont assurer le traitement des incidents au quotidien dans le cadre de la chaîne d'alerte avec le ministère et de la mise en œuvre de cette politique nationale de sécurité du système d'information. Et puis par ailleurs, ce service est chargé également de répondre aux enjeux de la protection des données dans le cadre du respect du RGPD. Je vous renouvelle tous mes mots de bienvenue et je vous souhaite une très belle année dans cette académie.